Bonjour. Bonjour à tous Bonjour à et toutes. tous. Voilà. Et toutes, bien sûr. Nous, on va vous parler un petit peu d'un certain nombre de choses, mais comme on est sur les métiers de l'ingénieur, eh bien, on va peut-être commencer par, même si c'est ingénieur-manager, donner une définition un petit peu historique, un contexte un petit peu historique de cette définition d'ingénieur, en s'appuyant sur les propos de Denis Lemaître, qui est professeur à l'ENSA Bretagne et directeur du laboratoire formation-apprentissage professionnel, et qui indiquait en fait dans son ouvrage que les progrès de la technique, en fait, ils jalonnent l'histoire de l'humanité, mais la figure de l'ingénieur, en fait, elle s'impose vraiment dans la société à l'époque de la Renaissance en Europe, et que l'ingénieur est alors celui qui permet de transformer la société par le progrès et non plus par la tradition. Puis, en fait, au XXe siècle, ben, c'est plutôt le productivisme, le technologisme à outrance qui était dominant et qui ont fait que les ingénieurs ont souvent été réduits à développer de nouveaux produits, de services dans des domaines assez étroits et cloisonnés, coupés de la réalité sociale en visant un marché à court terme, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que du fait de la mondialisation, de la révolution numérique, et des impératifs surtout de développement durable et d'enjeux de société, il est important que les ingénieurs, eh bien, on attend maintenant des ingénieurs qu'ils résolvent des nouveaux problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Donc, que ce soit la nourriture, les énergies, les transports, les communications, la sécurité, tout ce qui est social, sociétal, économique, environnemental. Donc, il s'agit bien d'enjeux qui vont devoir transformer les formations d'ingénieurs, tant dans les programmes que dans les modalités, c'est-à-dire comprendre ensemble un problème, trouver ensemble des solutions, disposer de lieux d'expérimentation pour que dans leur pratique métier, les ingénieurs prennent en compte la société et le monde qui les entoure et ses enjeux vitaux. Donc voilà, c'était petite intro sur la définition des métiers de l'ingénieur et je vais laisser la parole à Sam pour qu'il vous parle plus généralement de ce qu'on va faire dans cette table. Oui, je vais compléter aussi un petit peu ce constat, parce qu'une fois qu'on l'a dressé, on peut se poser la question de savoir si les étudiants, c'est-à-dire nous, hein, je m'y inclus parce que je suis sorti d'école il y a 1 an et demi, on a conscience de la situation. Et alors là, la consultation nationale étudiante du RESES, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, l'ancien REFED, nous apporte la réponse. C'est un grand oui pour la quasi-totalité des étudiants, c'est-à-dire 90%, plus de 90%. On a actuellement conscience, notamment du changement climatique et de ses causes anthropiques. Et alors là, nous sommes 66% à s'inquiéter vis-à-vis du changement climatique et 19% à être angoissés. Donc je parle même pas des autres limites planétaires, effondrement de la biodiversité, perturbation des cycles biogéochimiques, usage des sols, etc. Les enjeux que vient de citer Sylvie, notamment. Donc on en a conscience, c'est déjà pas mal. Seulement voilà, nous ne sommes pas encore formés, on commence petit à petit, à ces enjeux. Enfin, en tout cas, on est 70% à penser que c'est pas le cas, et on est plus de la moitié à penser que ça devrait l'être. On devrait être formé à ces enjeux. Donc, les formations commencent à bouger, en témoigne cette journée, typiquement, et toutes les initiatives qui naissent dans de nombreuses écoles sous l'impulsion des étudiants, des directions et des enseignants-chercheurs. Et en attendant, il faut, le reconnaître pour s'en prémunir. L'éco-anxiété gagne du terrain. Nous constatons un écart, d'une part, entre nos formations et la situation planétaire. L'ampleur du changement à mener, et puis un deuxième écart qui est entre les actions individuelles, la portée de nos actions individuelles en tant qu'ingénieur ou citoyen, et puis l'ampleur du changement collectif qui va être à mener. Alors du coup, résultat, 45% des jeunes qui ont été sondés dans 10 pays par une récente étude, qui n'a pas été revue par les pairs, il faut le préciser, affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Donc, heureusement, on commence à se réunir pour en discuter, à s'organiser pour agir, mais que faire? Là, vous qui nous regardez dans vos amphis, dans vos pioles étudiantes, ou je ne sais où, une fois que vous allez fermer votre écran, une fois que vous allez avoir votre diplôme même, quelles questions se poser, quelle trajectoire individuelle et collective emprunter? Donc c'est tout l'enjeu de cette table ronde, hein, qui est l'occasion non pas de poser un énième constat sur les enjeux socio-écologiques, mais bien de mener l'enquête sur le rôle de l'ingénieur dans ce contexte, quelles évolutions pour le métier de l'ingénieur, quel rôle il peut assumer au regard de ces enjeux, comment s'orienter individuellement en tant qu'ingénieur,
et collectivement, on va le voir, quelques leviers. Donc toutes ces questions, on va essayer d'y apporter des pistes de réflexion qu'il s'agira pour vous d'enrichir, d'interroger, de préciser, de critiquer, pour en faire des leviers personnels et vous orienter. Et du coup, avant de présenter les trois intervenants incroyables qui seront parmi nous dans quelques minutes, on a jugé intéressant de vous partager des retours d'expérience qui ont participé modestement au changement des formations à l'IMT et puis qui illustrent des voies que vous pouvez vous aussi emprunter, explorer, qui peuvent être inspirantes. Et donc, si je vais repasser la parole à Sylvie, si tu veux bien nous raconter une partie de ton histoire et de celle de l'IMT Atlantique au regard de toutes ces questions. Eh bien, merci. Donc, oui, juste donc en tant que responsable de la formation d'ingénieur IMT Atlantique, on opère aussi des mutations sur cette formation. Et une des mutations importantes, c'est ce passage de travail en compétences. Alors, bien sûr, on a des compétences techniques, mais il a été impératif pour nous de travailler sur des compétences plus transverses, comme entre autres critiquer, décider, intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux dans ses décisions, s'adapter et évoluer. Et des journées comme aujourd'hui, eh bien, permettent d'alimenter ces réflexions et donc d'aller vers une meilleure connaissance, une meilleure appropriation de ces compétences. Une autre compétence centrale qui est dans ces évolutions de la formation, c'est la coopération. Alors, on a appelé ça coopération, notamment dans les environnements internationaux et interculturels, mais il n'est pas besoin d'aller très loin pour coopérer. Il est important aussi que l'ingénieur, eh bien, emmène toutes les personnes qui n'ont pas toutes les connaissances. Et la coopération, c'est faire ensemble. Et ce n'est pas un savoir top-down, et il ne faut pas rester dans son monde un peu élitiste. C'est pour ça que, à travers la création du Fab Lab du campus de Brest en 2011, on a toujours travaillé pour essayer de réduire aussi la fracture numérique, qui est avec la formation tremplin numérique que l'on fait en association avec les petits débrouillards et qui permet à des personnes très éloignées de l'emploi et du numérique de s'approprier les technologies. Et donc ça fait partie de la coopération, de faire ensemble, d'emmener tout le monde et de donner la connaissance à tout le monde. C'est aussi à travers ce lieu de coopération, la possibilité de faire découvrir les enjeux dès le plus jeune âge aux enfants, à leurs enseignants, par la créativité, on prend conscience et on fait ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... La rencontre des différents profils permet de mieux cerner, de mieux s'impliquer dans la société et donc de faire ensemble. Alors, pour qu'il y ait aussi une transformation du rôle de l'ingénieur, il faut aussi qu'il y ait des ingénieurs. Et ça nécessite d'aller à la rencontre des plus jeunes. Et donc ça se fait par exemple à travers les projets des DRS que l'on peut faire à l'école ou cette responsabilité sociétale, on essaye de la transmettre aux élèves ingénieurs pour qu'ils puissent après eh bien, partager, aller vers les filles et les garçons. Parce que ça, c'est vraiment important que pour avoir cette prise de conscience, eh bien, on est à la fois des filles et des garçons qui viennent sur nos métiers d'ingénieurs, qui viennent découvrir ces problématiques et surtout qui, ensemble, eh bien, pourront comprendre, trouver des solutions. Il faut qu'il y ait la diversité pour que la solution elle puisse être plus pertinente, on va dire. Donc, je laisse Sam repartir sur la partie... plus de son choix au niveau de l'ingénierie. Oui, bah alors moi je vais en profiter aussi pour vous expliquer un peu, pour vous raconter plutôt un parcours. J'aimerais revenir sur trois points. Alors déjà pour me présenter rapidement, j'ai été diplômé il y a un an et demi, donc très récemment, de l'IMT Minales en énergie. Et là, il me semblait intéressant dans le cadre de cette table ronde et de cette ouverture à cette journée, de revenir sur trois points. Le premier, c'est l'ingénierie comme un non-choix, ou l'école d'ingénieur comme un non-choix. C'est-à-dire que vous êtes probablement beaucoup à pas forcément avoir choisi explicitement de faire ces études-là,
à vous demander peut-être pourquoi vous êtes ici. Parce que moi, c'est dès mes premières semaines d'école, une question, on va dire, essentielle, d'une complexité certaine que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fous là? Hein, et qui pouvait être complétée par une autre question existentielle qui était qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ce diplôme? Questions qui sont pas forcément toujours agréables à se poser et qu'on est nombreux et nombreuses à se poser, en tout cas dans mon entourage, à cette époque. J'imagine que ça n'a pas beaucoup changé, enfin c'est même certain. Ces questions-là peuvent, enfin, avoir pour cause, disons, un certain flou qui entoure l'identité de l'ingénieur qu'on a essayé de définir brièvement au début. On sait pas trop ce qu'est un ingénieur en réalité. C'est un titre, c'est un ensemble de compétences. C'est pas forcément des métiers précis. Donc on a du mal à voir forcément souvent où est-ce que ça va, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur. Alors qu'est-ce que c'est? Donc je vous propose une brève définition de Catherine Roby. Qui est restée une constante dans l'histoire que vous a brièvement présentée Sylvie. Elle nous dit, il est resté celui qui sait résoudre des problèmes pratiques et inventer des solutions techniques, qui met en œuvre une science pratique pour résoudre des problèmes particuliers au service des avantages d'un pouvoir, royaume, état, entreprise. Donc il y a deux choses intéressantes dans cette définition et qui m'ont beaucoup parlé, bon, qui étaient floues hein, quand j'étais en première année d'école d'ingé, mais qui sont intéressantes. Il y a au service d'un pouvoir. Alors, il faut le prendre dans le sens technique, hein, pas dans. Je sais que le mot pouvoir peut avoir des fois des connotations péjoratives, mais vraiment le sens technique, c'est-à-dire qu'on va être dans un système hiérarchique, on va devoir répondre à des donneurs d'ordre, à des clients, etc. Qui peuvent. Ça, c'est un point qui peut constituer souvent aussi un blocage. On a du mal à voir ce qu'on va pouvoir faire à notre niveau dans ce genre de, dans certaines structures, en tant qu'ingénieur, à notre échelle individuelle. Donc ça, c'était une première, on va dire, prise de conscience, une première interrogation. Et puis le second, c'est le rapport à la science. Parce que là, il faut le dire, l'ingénieur, il a quand même une manière de penser et de se positionner dans la société qui est assez particulière, presque étrange. D'abord, il est très rationnel, hein, il accorde de valeur qu'à la raison, qu'au raisonnement logique. Ça a l'avantage de nous donner un statut d'expert, une légitimité sur les questions scientifiques et techniques, qui est pas plus mal. Mais ça nous conduit souvent à un apolitisme, c'est-à-dire à se placer en dehors de la politique. Et c'est ce que disait en introduction Odile, c'est-à-dire on est dans cette société qui est en fait ce qu'on entend par le mot politique, hein, c'est pas du tout dans le sens partisan, dans le sens des partis, c'est dans le sens de la vie de la cité, quoi, si vous voulez. Et ben on a tendance à s'en placer en dehors. On est soutenu un peu par une croyance en la neutralité de la technique, c'est-à-dire que l'activité de l'ingénieur et les objets qu'il produit sont neutres, sont que des moyens qui vont être utilisés par ceux qui vont les utiliser, enfin qui vont avoir de sens moral ou politique que par ceux qui vont les utiliser. Bref, et puis enfin, on est une élite, hein, on est souvent considéré comme tel, et puis souvent aussi on se considère comme une élite. Et voilà les grands points qui peuvent un peu nous aider à définir l'ingénieur et à comprendre comment il fonctionne. Donc moi je suis en première année d'ingénieur, je commence vaguement à avoir ces éléments en tête, toujours beaucoup de questions, sans réponse forcément. Et alors du coup, j'en viens à mon deuxième point, qui est, pour répondre à ces questions, il nous faut du temps. Il faut qu'on arrive à prendre du temps, à trouver du temps pour essayer, du temps et des espaces pour essayer d'y répondre, collectivement, individuellement. Et pour vraiment se poser et réfléchir à tout ça, ce qu'on a rarement l'occasion de faire. Alors là, de plus en plus avec les changements qui sont en cours, mais qu'on a rarement l'occasion de faire dans le cadre de nos formations. Moi, typiquement, c'est l'association Ingénieurs sans frontières qui m'avait permis de faire ça. Et voilà, je sais pas quelle réponse j'aurais pu apporter à toutes ces questions sans ce support associatif. Et donc une fois, là j'en viens à mon troisième et dernier point, une fois qu'on a ces questions en tête, notamment les questions au regard des enjeux socio-écologiques, l'ingénieur doit se politiser. Et se politiser dans le sens d'une politisation pragmatique, c'est-à-dire on a des constats scientifiques sur lesquels on s'appuie, et au regard de ces constats scientifiques, on a une légitimité, et même une pertinence, en fait, même une nécessité de faire des propositions pour trouver des trajectoires techniques, technologiques et politiques, du coup, qui sont pertinentes au regard des enjeux qu'on constate. Alors là, j'en viens à ce qu'on a pu faire à l'échelle de l'IMT,
C'est-à-dire que en 2018, vous en avez probablement entendu parler, il y a eu des mouvements, des manifestations étudiantes pour le climat. Il y a notamment eu le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui s'est lancé en septembre 2018, qui a été signé par près de 30 000 étudiants provenant de plus de 400 établissements d'enseignement supérieur. C'est ça, hein, que j'appelle politisation pragmatique. Et puis un peu plus tard, le 15 mars notamment, ça a été une date de mobilisation internationale pour les étudiants, parce qu'on s'est mobilisé, on a fait grève, c'était les vendredis, on a décidé de s'organiser tous ensemble. Et alors là, dans le cas de l'IMT Alès, d'abord, ça a été un moment important, parce que ça a été le moment où on ne savait plus trop quoi faire avec un ou deux camarades, on se sentait un peu seul, justement, notre échelle individuelle, il y avait disons une tension entre ce qu'on pouvait faire, ce qu'on envisageait de faire à l'échelle de l'école, enfin ce qu'on pensait comme nécessaire à l'échelle de l'école, et puis notre échelle individuelle. Et donc là, ça a été assez formidable parce que des amis du BDE, du BDA, du BDS, des barman, ISF, etc., se sont joints. On a monté un collectif qui allait discuter avec la direction, et ça s'est fait très très facilement. Donc d'abord à l'échelle des mines d'Alès, puis à l'échelle de l'IMT. Un collectif s'est formé lors de la COP 1 étudiante qui a eu lieu un peu après, en fin 2018. Et donc voilà, des manifestes ont été rédigés, on a dressé un premier état des lieux de nos formations, on a fait des propositions avec aussi des enseignants-chercheurs, avec la direction de l'IMT, avec nos directions respectives, et on a proposé des troncs communs, des évolutions à faire pour nos formations. Bref, tout ça a été le résultat d'une mobilisation étudiante, puis ensuite d'un travail collectif, et qui a mené notamment voilà, à des créations de postes au sein de la direction générale, à des groupes de travail dans chacune des écoles. Et d'où cette journée, d'où tout le travail aussi que fait Anne, qui est incroyable depuis plus d'un an et demi, voire 2 ans même maintenant. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Et pour parler maintenant de toutes ces questions, de qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle dans nos écoles, et puis en tant qu'ingénieur, quelles évolutions pour le métier d'ingénieur, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants. Donc Baptiste Andrieux, tu es récemment diplômé de l'INP FELMA. Tu travailles à The Shift Project depuis 2 ans. Tu pourras nous présenter l'association d'ailleurs. Et puis depuis un an, tu es en thèse à l'Institut des sciences de la Terre. Emma Biard, tu es récemment diplômée de Centrale Nantes. Tu as cofondé Fertile, qui propose des formations pour aider les personnes sensibles aux crises écologiques à répondre à leur quête de sens et à leur besoin d'impact en un temps assez court. Et tu travailles à Blue Choice, qui est l'entreprise qui anime et qui déploie la fresque auprès des entreprises notamment. Et puis enfin, Laura, tu as une formation de management à CAGE. Je vous laisserai compléter hein, chacun si vous jugez ça utile. Tu as notamment travaillé plusieurs années à Zero Waste France et tu es conseillère d'orientation pour la transition écologique et solidaire à Montjean de Sens, que tu as fondée récemment. Alors je vous propose de commencer tout de suite. On va faire trois interventions distinctes. Ça permettra voilà, de rentrer peut-être un peu plus dans le détail et puis que vous ayez vous un retour disons peut-être plus construit de chacun, que vous puissiez suivre ces histoires. Donc Baptiste, je te propose de commencer et on peut repartir de cette question qui était finalement celle des formations. Quand on est ingénieur, qu'on prend conscience des enjeux, en général ça se fait dès la formation. Et on peut revenir à une question qui est un peu essentielle et que j'ai posée au début. Pourquoi vouloir faire une école d'ingénieur? Donc je te la pose. Pourquoi est-ce que tu as fait une école d'ingénieur? Est-ce que tu avais un but précis en tête? Déjà, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de m'accueillir sur cette journée et merci Sam pour cette belle introduction. Et je pense qu'en fait, on a je t'entendais parler là, et je pense qu'on a des parcours assez similaires et je me reconnais beaucoup dans cette histoire de non-choix qu'est le fait d'arriver en école d'ingénieur. Et ce qui se passe pour beaucoup, c'est que si on n'est pas trop mauvais à l'école, en particulier dans les matières scientifiques, ça nous fait aller en lycée général, puis terminale scientifique, et potentiellement en prépa, et après en école. Pour ça, il faut connaître l'existence des prépas, ce qui était mon cas, parce que c'est souvent par famille, mais que dans ma famille, il y avait des gens qui avaient déjà fait des prépas, donc j'étais au courant de ce système-là. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. J'étais plus intéressé d'ailleurs par les prépas économiques, dans le sens où les matières étaient plus variées. Et il y avait des maths, mais il y avait aussi de la géopolitique, de l'histoire, plein de choses qu'on n'a plus du tout eu en prépa scientifique. Et j'ai choisi de pas y aller parce que déjà à cette époque-là, je sentais que
Je me reconnaissais pas vraiment dans les formations qui étaient délivrées en école de commerce. C'est-à-dire que ça me semblait un peu trop axé entreprise. Et si je caricature un peu, comment dire, brassage de vent, je veux pas du tout être péjoratif envers les écoles de commerce, mais c'est des témoignages qu'on retrouve en tout cas de certaines personnes en école qui n'y sont pas super épanouies d'un point de vue du sens que ça leur apporte. Tout ça pour dire que je me suis retrouvé dans cette filière scientifique par ce non-choix. Et en arrivant en école, j'ai eu une sorte de choc de me dire, bon, bah voilà, c'est maintenant, j'y suis et qu'est-ce que je fais? Et à cette époque-là, il y avait un documentaire qui venait de sortir l'été où j'ai fini ma prépa, qui s'appelle Ingénieur pour demain, et qui a été fait par des étudiants de l'école d'ingénieurs de l'INSA Lyon, qui justement questionnent ce sens de l'ingénieur dans la société. Et ils prennent un exemple qui m'a énormément marqué et qui rejoint ce dont tu parlais, Sam, sur le pouvoir et le fait qu'un ingénieur est d'abord là pour apporter des solutions techniques à un ordre que lui donne un pouvoir. C'est l'exemple du Volkswagen Gate, où donc à cette époque-là, le scandale avait éclaté depuis peut-être 1 ou 2 ans, où on a appris que des ingénieurs avaient truqué les capteurs d'émission des voitures Volkswagen pour faire en sorte de donner l'impression qu'elles émettent moins de CO2, alors qu'en fait, au bout de quelques kilomètres dans la vraie vie, elles en émettent plus. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même fou, parce que bon, on sait tous que le changement climatique, c'est un énorme problème. Et là, il y a un certain nombre de gens dans un bureau d'études, donc des techniciens, des managers, des ingénieurs, qui se sont dit, ok, on va faire ça. Pourquoi pas? Et je trouve que c'est vraiment symptomatique de cette dépolitisation du rôle de l'ingénieur. Et ils avaient peut-être plein de bonnes excuses, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des grosses pressions et qu'ils allaient se faire virer s'ils ne le faisaient pas, qu'ils avaient le crédit à rembourser pour la voiture, pour la maison. Je ne remets pas en question les personnes, mais ça montre que structurellement, parce qu'il y a plein d'autres exemples des prix Volkswagen, mais que les ingénieurs ne sont pas formés vraiment pour prendre comment dire, forcément les bonnes décisions impactantes avec une forte éthique environnementale. Et on pourrait étendre ça à d'autres aspects sociaux. Voilà pour ce qui m'a fait arriver en école et sorte de grosse déprime après en école, parce que je me suis retrouvé dans une école où il y avait des super formations techniques, mais avec quasiment rien, enfin un grand vide sur cet aspect éthique et pourquoi on fait ça. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, moi, en tout cas, ça m'a empêché de profiter de l'excellence technique de tous mes professeurs, parce que j'ai eu une sorte d'énorme blocage en me disant, mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Donc, c'était presque si j'allais plus en cours, parce que juste je me disais, mais à quoi ça va me servir, quoi? En fait, le monde est en train de s'effondrer, la biodiversité meurt, le changement climatique va rendre le monde invivable, et nous, on est là à étudier des nanoparticules pour des trucs super techniques, et sans placer ça dans une réflexion systémique du monde et de vers où on veut aller en tant que société, en tant que civilisation, dans les prochaines années et décennies. Voilà, et donc là, par rapport à ce que tu dis, est-ce que t'as presque eu, t'as remis en question presque ce rôle de l'ingénieur et sa fonction, aussi? Est-ce que t'as eu envie d'arrêter ton école et de pas faire ingénieur, simplement, à ce moment-là? Complètement, ouais. Je pensais arrêter. J'aime beaucoup le pain et j'avais envie d'aller faire une formation pour devenir boulanger. C'était un peu ce qui m'animait pendant un long moment. Et j'ai eu ce que je considère comme une chance aujourd'hui, des amis qui m'ont quand même motivé à continuer en me disant, bah écoute, Baptiste, il te reste que 2 ans, tu peux profiter, tu peux faire des choses. Après, tu auras ton diplôme et tu pourras aller faire ouvrir ta boulangerie si tu as envie, mais finis ton diplôme. Et surtout, ça m'a permis de rentrer dans plein d'associations, et en particulier donc Ingénieurs Engagés, dont je parlais là sur le documentaire, Ingénieurs Sans Frontières et d'autres encore, et où je trouve les écoles, mais en tout cas l'école d'ingénieurs, parce que c'est ce que je connais, un environnement vraiment extraordinaire pour ça.
où il y avait une très forte réflexion sur le rôle qu'on veut avoir, nous, jeunes diplômés, dans le monde de demain. Et on a aussi eu pas mal d'initiatives pour essayer de faire bouger les formations avec une certaine bonne volonté du corps enseignant qui juste avait pas eu les occasions encore de le faire jusqu'à maintenant. Et là, on voit que juste en quelques années, c'est impressionnant de voir à quel point les mentalités ont changé. Déjà, la prise de conscience massive des étudiants, mais aussi de tout le corps administratif et professoral. Et que maintenant, en tout cas dans mon ancienne école, il y a tout le monde qui travaille main dans la main pour essayer de faire changer ses formations, comme manifestement c'est le cas à l'IMT. Et là, du coup, manifestement, comme tu dis, t'as eu ton diplôme, t'as fini ton école. Et donc, quel chemin t'as décidé de prendre avec ce titre d'ingénieur en poche? Qu'est-ce que t'as fait finalement? Là, tu travailles à The Shift Project et t'es en thèse. Peut-être que tu peux nous expliquer ce chemin-là. Ouais, alors... En école, donc j'avais lu plein de bouquins sur la transition, enfin sur les problèmes environnementaux de manière générale, et en particulier, par exemple, des bouquins de Philippe Biwix ou Guillaume Pitron qui parlent des matières premières et de notre énorme dépendance en tant que civilisation à des quantités de matières premières colossales. On en extrait du sol 70 milliards de tonnes par an. Ça fait 10 tonnes par personne sur l'ensemble de la planète, sachant qu'il y a des personnes très pauvres qui en utilisent pas du tout et des personnes très riches qui en utilisent une quantité innombrable. Et il y avait une filière sciences des matériaux dans mon école, donc je me suis dit, ah, je vais essayer d'aller par là et voir où ça mène, sachant qu'en fait c'était sciences des matériaux, mais à l'échelle vraiment micro, nano, et pas du tout ces gros flux de matière dont on peut entendre parler en écoutant par exemple Philippe Biwix. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec un chercheur qui s'appelle Olivier Vidal et qui travaille sur un gros modèle qui vise à expliciter les liens entre énergie, matières premières, PIB et changement climatique dans l'économie. Donc, j'ai fait un stage de deuxième année là-dedans et je me suis retrouvé à modéliser les besoins en matières premières pour les batteries des véhicules électriques selon différents scénarios de transition avec sobriété, sans sobriété, etc. Donc ça m'a passionné et je me suis dit, ah oui, en fait, mes compétences techniques, là, elles me sont utiles à quelque chose, les réflexions, ce que j'ai appris en prépa, les manières de réfléchir. Et ça m'a, à partir de ce moment-là, redonné un peu le goût à me dire, ah, je vois ce à quoi la technique peut servir dans le monde de demain, c'est au moins à le comprendre et à essayer d'esquisser une trajectoire vers laquelle on voudrait aller. Suite à quoi, j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'association des Shift Project. Donc, le Shift Project, c'est un think tank qui essaye de convaincre les décideurs politiques et économiques à l'échelle européenne, mais en particulier française, de l'urgence d'agir pour le changement climatique et pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et j'ai travaillé sur l'aspect industrie de ce qu'on fait au Shift, et en particulier matières premières. C'est-à-dire comment on peut avoir une industrie qui fonctionne en réduisant drastiquement les quantités de matières premières qu'on injecte dans le système. Et suite à quoi, j'ai commencé une thèse CIFRE entre le laboratoire à l'Institut des sciences de la Terre avec Olivier Vidal, dont j'ai parlé précédemment, et le CIFRE Project, pour travailler justement sur ces questions de modélisation long terme de l'économie. Et en fait, on reproduit le monde dans différentes régions, en une quinzaine de régions, de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on dit le monde, ça va être toutes les infrastructures de routes, de bâtiments, de transports, de systèmes électriques. On regarde toutes les matières premières qu'il y a besoin, l'âge de ces stocks, tous les combien de temps il faut les renouveler, l'énergie nécessaire, les impacts environnementaux, et puis on met de l'économie là-dedans, et on essaye à la fin de faire que ça donne une vision du monde vraiment systémique, et on fait des trajectoires sur le futur qui nous permettent de faire de la prospective et de se dire, bon bah voici à quoi le monde pourrait ressembler si on suit telle trajectoire. Et ça nous permet aussi d'analyser des scénarios de certaines institutions. Ouais, alors là j'en profite parce qu'on voit derrière toi une quantité de livres monstrueuse. Et ça illustre typiquement ce que un des
un des travaux de l'ingénieur qui peut être un travaux de l'ingénieur pardon qui peut être de faire cette politisation pragmatique qui est derrière toi on voit le PTEF, c'est le plan de transformation de l'économie française qui est un des travaux du CHIFS en ce moment mais qui a justement cette ambition de proposer des trajectoires au regard de connaissances scientifiques et de constats qu'on porte sur le monde, de proposer des trajectoires qui sont compatibles avec ça. Bref, et du coup, ça m'amène à une dernière question. Dans le cadre de ton travail là et du parcours que tu as eu, si on prend un peu de recul et de hauteur sur l'ingénieur en général, quelles compétences, quelles évolutions pour l'ingénieur, toi, tu vois dans ce contexte des enjeux socio-écologiques? Bah, ce serait d'essayer d'obtenir une vision plus globale et systémique du monde. Typiquement, moi, ce que mon directeur de thèse m'a dit en commençant ma thèse, donc qui vient, lui, du monde académique et de l'université et qui n'a pas de formation d'ingénieur, il m'a dit, il faut absolument que tu perdes ta vision d'ingénieur du monde. Ah bon? Et ce qu'il entendait par là, c'était d'être trop dans le détail, trop dans la précision et de pas assez voir ce qui caractérise le monde à une plus grande échelle et de voir des grandes tendances dans les données et de ne pas être trop le nez dans le guidon à essayer de modéliser des choses très très précises. Alors c'est bien sûr important, si on veut envoyer un satellite dans l'espace, on a besoin d'ingénieurs super pointus, super forts et qui fassent pas d'erreurs. Mais si ils peuvent en plus avoir une bonne vision du monde dans lequel ils évoluent, c'est d'autant mieux. Et on peut prendre un exemple pour ça, c'est l'hydrogène. On sait qu'on va avoir une certaine capacité de production d'hydrogène dans les prochaines années, d'hydrogène, on va pas dire vert, mais peu carboné, qui soit pas fossile en tout cas. Et quand on regarde les trajectoires de réduction d'émissions des différentes entreprises, elles vont toutes dire, oui, bah alors on va faire de l'hydrogène. Donc c'est-à-dire les avionneurs, ils vont dire, ouais, bah nous, on va faire des avions à hydrogène. Les automobilistes vont dire, bah nous, on va conduire des voitures à hydrogène. Et l'ensemble de l'industrie, les aciéristes vont dire, bah nous aussi. Sauf qu'en fait, quand on regarde avec une vision un peu systémique, on se dit, oui, mais on n'a que ça d'hydrogène. Et donc, il n'y a pas assez pour que tout le monde ait ça. Et il va falloir faire des arbitrages. Et c'est en partie, en tout cas, un des rôles de l'ingénieur, c'est de montrer aux politiques, bah là, il y a un arbitrage à faire. Et du coup, je vais en profiter pour, c'est bien parce que tu en as parlé, Sam, mais pour parler rapidement de tous ces bouquins que vous voyez derrière nous, là, qui sont derrière moi, qui est le plan de transformation de l'économie française, et qui vise justement à, bah, alors, déjà, à ce que l'ingénieur, les gens qui parlent de technique, sortent un peu de leur cocon en parlant à d'autres personnes, travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que là-dedans, on a travaillé avec plein de secteurs différents de l'économie, avec des gens de toutes les formations, de toutes formations auxquelles on pourrait penser, avec un objectif qui est de se mettre aujourd'hui sur la pente de moins 5% des émissions tous les ans jusqu'à 2050, tout en faisant en sorte que chacun ait un emploi. Et pourquoi on dit ce moins 5% par an? C'est parce que actuellement, quand on voit les scénarios, ça nous place en 2050, on dit, bon, bah, en 2050, on va atteindre la neutralité carbone, mais personne ne sait comment on va y arriver. Et en particulier, on mise beaucoup sur des innovations de rupture. Et ce qu'on raconte au Shift, et je vais m'arrêter là après, c'est d'avoir une approche prudentielle. C'est-à-dire de dire, oui, il faut de la technique, il faut des ingénieurs et des scientifiques de manière générale qui soient aussi forts que possible pour essayer de gagner toute l'efficacité qu'on peut, toutes les nouvelles innovations qu'on pourrait trouver. Mais il ne faut pas miser sur une salvation technologique. C'est-à-dire que si on regarde les tendances historiques qu'on modélise, nous, depuis 1900, on voit qu'il y a à peu près 1% de progrès technologique. Et sauf que, bah, il n'y a rien qui nous laisse penser que ça va se passer comme ça. Peut-être que si on fait énormément d'efforts, on va passer à 2%, mais il va après falloir de la sobriété pour les 3% qui restent. Voilà, je m'arrête là. Et donc tout ça pour dire que notre vision au Shift, c'est d'essayer de se mettre sur la pente tout de suite et de travailler avec tout le monde, c'est-à-dire pas juste les ingénieurs, dans une vision globale du monde. Merci beaucoup Baptiste. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite en continuant de prendre un peu de hauteur sur ce rôle, sur la fonction de l'ingénieur dans la société, en se demandant
s'interrogeant sur sa responsabilité, sur ses responsabilités au regard de ce qu'il peut faire, de ce qu'il devrait faire par rapport aux enjeux socio-écologiques. Donc on va accueillir Emma, tu as réalisé une étude avec BL Évolution qui porte notamment sur ces questions. Et donc on va essayer de voir avec toi, j'imagine, quelques leviers pour agir en tant qu'ingénieur au regard voilà, de ses responsabilités et des enjeux. Écoute, je te laisse présenter cette étude et tes points. Pour te donner un petit temps de timing, tu as jusqu'à 9h40-42. Voilà. La parole est à toi. Vous m'entendez? Yes. Est-ce qu'on peut juste mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Ok, parfait. Oui, donc moi, c'est Emma Biard. Donc, je suis ingénieure, tout juste diplômée de Centrale Nantes. Et justement, à Centrale Nantes, par l'associatif, j'ai pris conscience, en fait, de l'ampleur des crises écologiques. Et en même temps que j'ai pris conscience de ça, j'ai aussi pris conscience de la responsabilité que j'avais en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant que finalement diplômée d'une bonne école. Parce que, en fait, en tant que diplômée d'une bonne école, j'allais très probablement avoir un métier avec des responsabilités. Et donc, finalement, j'ai le pouvoir de choisir où est-ce que je vais mettre mon énergie, où est-ce que je vais mettre mes compétences, dans quel métier et de quelle manière je vais l'exercer, en fait, ce métier. Et donc, finalement, le pouvoir d'être du côté du problème ou du côté de la solution par rapport à ces crises écologiques. Et donc, moi, en fait, puisque j'étais consciente de tout ça, j'ai décidé d'être le plus possible du côté de la solution. Et pour ça, j'ai commencé par pas mal d'associatifs. Et ensuite, j'ai cofondé une association qui s'appelle Fertile pour justement permettre à plein de personnes en quête de sens et d'impact d'être un acteur de cette transition. Et donc, on fait des formations et on a notamment une justement pour les ingénieurs, donc pour les jeunes diplômés et pour les étudiants, qui dure une semaine. Et le but de cette formation, c'est justement de se former sur les enjeux écologiques, mais aussi et surtout de voir quelles sont toutes les voies qu'on peut prendre en tant qu'ingénieur pour agir dans le bon sens par rapport à la transition écologique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par la suite ou à aller voir ce qu'est Fertile. Donc, j'ai fait ça et aujourd'hui, maintenant, je suis consultante chez Blue Choice. Et donc, chez Blue Choice, je fais du conseil et de la sensibilisation dans des très grandes entreprises. Et j'utilise notamment la fresque du climat donc pour sensibiliser des patrons, des cadres dans des entreprises à toutes ces questions-là. Donc voilà un peu comment moi j'ai décidé de prendre cette responsabilité-là et je vais essayer de vous donner un petit peu des clés pour vous expliquer pourquoi, pour moi, l'ingénieur a autant de responsabilités et pourquoi il a un rôle crucial, selon moi, pour résoudre ces crises-là. Alors d'abord parce que, selon moi, il y a un challenge qui est juste énorme à relever et l'ingénieur, justement, est... On nous dit qu'on est là pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions à des problèmes. Donc là, ça tombe bien, on a un énorme challenge à relever. C'est que pour respecter les recommandations des scientifiques, c'est-à-dire pour limiter le dérèglement climatique bien en dessous des 2 degrés d'ici 2100, en fait, il faudrait qu'en 2050, on émette chaque humain par an, pas plus de 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Pourquoi il faudrait ça? Parce que c'est pour permettre, donc, comme c'est écrit, une vie qui permette la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une vie où on n'a pas des millions de réfugiés climatiques à cause de la chaleur ou de la montée des eaux, où on n'a pas des famines à cause de la baisse des rendements agricoles, où on n'a pas des conflits à cause d'une pénurie de ressources. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait, je pense que pas mal d'entre vous ont fait la fresque du climat, un petit peu toutes ces cartes de la fin du constat de la fresque du climat. Donc voilà, parce que en fait, on a besoin de relever ces défis. C'est pas pour sauver les petits oiseaux, c'est bien pour préserver en fait notre vie à nous, notre vie et la vie en fait de nos enfants potentiellement. Et alors pourquoi c'est un challenge ces 2 degrés? C'est un challenge parce que pour vous donner un petit ordre de grandeur, aujourd'hui le Français moyen émet 10 tonnes de CO2 équivalent par an. Et donc il faudrait faire rentrer ces 10 tonnes dans seulement 2 tonnes. Donc si on regarde comme ça, 2 tonnes,
c'est seulement finalement l'empreinte carbone du Français qui prend sa voiture. Et donc là, avec 2 tonnes, il a juste utilisé sa voiture pour faire les déplacements dont il a besoin, mais il n'a pas mangé, il n'a rien fait d'autre. Donc en fait, ça, c'est pour vous montrer que la marche à franchir, elle est énorme. On ne parle pas juste d'une transition douce, on parle vraiment d'une réelle bifurcation. Ce n'est pas juste de l'optimisation qu'on va devoir faire en tant qu'ingénieur là. En tant qu'ingénieur, on va devoir penser autrement, on va devoir réfléchir à de nouveaux modèles, planifier cette bifurcation. Donc voilà pourquoi pour moi c'est vraiment un challenge à relever et on a toute notre part pour planifier tout ça. Alors maintenant je vais faire un focus sur le domaine du transport et plus particulièrement l'aviation pour vous montrer un petit peu comment on peut jouer avec les chiffres et pourquoi pour moi c'est important de bien comprendre les chiffres dont on parle et de bien comprendre les problèmes. Là, si je fais un zoom sur cette carte qui représente l'empreinte du transport pour le Français moyen, on peut avoir l'impression, puisque c'est à l'échelle, que l'aviation, ça a une très faible part, finalement, l'aviation. Mais pourquoi, en fait, là, ça a une très faible part sur cette carte? C'est parce que c'est le Français moyen. Et le Français moyen, il prend pas forcément l'avion. Donc, en fait, il faut bien comprendre les chiffres. Donc là, si je vous donne ces chiffres-là, par exemple, 4% de l'empreinte carbone du Français moyen est due à l'aviation, on peut avoir l'impression que c'est pas tant que ça. Un autre chiffre, c'est que l'aviation, c'est 3 à 7% des émissions mondiales. Bon, je dis 3 à 7 parce que ça dépend des chiffres, ça dépend qu'est-ce qu'on prend en compte. Mais donc, quand on regarde ces chiffres-là, en fait, 3 à 7%, bon, c'est de l'ordre de grandeur des émissions du numérique. C'est 4% les émissions du numérique, donc finalement l'aviation, c'est de l'ordre de grandeur des émissions du numérique. Avec ces chiffres-là, on pourrait se dire, bah, finalement, ça va l'aviation, ça émet pas tant que ça. Mais maintenant, si je vous montre d'autres chiffres, si je vous dis que si on regarde pas l'empreinte carbone du Français moyen, mais l'empreinte carbone d'un Français plutôt aisé qui prend, disons, 4 fois l'avion par an pour aller assez loin, et ben là, la part dans son empreinte carbone, donc globale, ça va être 50%. Donc 50% du CO, du gaz à effet de serre qu'il va émettre, ça va être à cause de l'aviation. Donc là, ça paraît beaucoup plus gros. Et un autre ordre de grandeur, c'est qu'un aller-retour Paris-New York, ça fait 2 tonnes. Et 2 tonnes, ce qu'on montrait tout à l'heure, c'était que 2 tonnes, c'est ce qu'on devrait émettre par an. Et là, en fait, en faisant un aller-retour Paris-New York, on grille déjà ces 2 tonnes. Et donc là, avec ces deux autres chiffres, moi, j'ai l'impression qu'on peut se dire « Oh là là, mais en fait, les émissions de l'aviation, elles sont juste énormes. » Et donc, ça, tout ça, simplement pour vous dire qu'en fait, les chiffres, finalement, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Et je pense donc que nous, en tant qu'ingénieurs, on a vraiment… Il y a un énorme enjeu à ce qu'on comprenne bien les chiffres, à ce qu'on comprenne bien les problèmes et qu'on aille creuser les sujets. Et pas qu'on aille simplement chercher des chiffres pour valider quelque chose qu'on pense déjà. Donc, vraiment avoir un esprit critique en permanence, je pense que ça fait partie de notre rôle sur ces sujets-là. Et j'en profite pour vous montrer, puisque l'aviation, je trouve, représente bien ça, les inégalités des émissions dans le monde à avoir en tête. Les 10%, en fait, les 10% les plus riches, donc les 10% des personnes les plus riches, émettent 49% des émissions mondiales, alors que les 10% les plus pauvres, alors que les 50%, pardon, les plus pauvres émettent seulement 10% des émissions. Donc en fait, ça c'est pour montrer que finalement cette crise écologique, c'est pas en fait elle est pas cette crise climatique, elle est pas liée au fait qu'on soit trop. Elle est surtout liée à la manière de vivre des personnes les plus riches et surtout des pays les plus riches dont on fait partie. Donc je trouve que c'est quelque chose à bien avoir en tête et donc voilà, c'est pour ça que nous en tant qu'ingénieurs, on va devoir repenser ces manières de faire et penser à comment faire autrement. Alors maintenant, bon, j'ai entendu dire que Mines Télécom, vous étiez pas mal sur le numérique, donc je vais faire un petit focus par rapport aux enjeux du numérique. Donc là, si je fais un zoom sur la carte consommation, on voit que le numérique, ça a une grosse partie par rapport aux émissions de ce secteur-là. Et un des enjeux du numérique, c'est qu'en fait, c'est en énorme croissance. Et donc, puisque le numérique est en croissance, forcément, la part des émissions de gaz à effet de serre du numérique est aussi en croissance. Et donc là, en fait, si on regarde un petit peu différents scénarios, on voit qu'elle va augmenter plus ou moins. Et donc là, il y a des choses à penser de comment on fait
comment on fait cette croissance du numérique d'une manière aussi raisonnée. Et en fait, on pourrait se dire que bon, ça va, c'est pas grave, on peut continuer à faire la croissance du numérique parce qu'on va trouver des manières avec l'efficacité énergétique de résoudre le problème. Mais en fait, non. Là, je vais vous parler de l'effet rebond. Donc, par exemple, si on regarde l'évolution de la consommation électrique du réseau Internet mobile, on a réussi à optimiser énormément donc, cette consommation électrique grâce à l'efficacité énergétique. Donc, vous voyez, on descend la première marche. Grâce à l'optimisation, on diminue énormément la consommation électrique. Sauf qu'en fait, comme on augmente énormément le volume de données qu'on consomme, eh ben en fait, on a ce qu'on appelle un effet rebond. Donc, l'efficacité énergétique est totalement compensée par le fait qu'on consomme plus. Et donc, là, pour moi, l'ingénieur, c'est super important qu'il ait en tête cet effet rebond. Je pense qu'on ne peut pas créer des modèles en se disant « Ah, ben, c'est super, on va optimiser l'efficacité énergétique, donc ça va être mieux », sans prendre en compte qu'il y a l'effet rebond. Parce que finalement, ben, ça ne sert à rien d'optimiser si grâce à cette optimisation, derrière, on consomme beaucoup plus de telle ou telle chose. Donc ça vaut pour le numérique, mais ça vaut aussi pour plein d'autres choses. Ensuite, un autre enjeu du numérique, c'est selon moi la durée de vie des appareils, puisque dans le numérique, 40% des émissions, elles sont dues à la fabrication des équipements. Donc forcément, si on fait durer les équipements plus longtemps, eh ben, on va avoir moins d'émissions. Et donc là, une fois encore, puisque l'ingénieur conçoit des choses, eh ben, il a son rôle à jouer. Et quelques chiffres pour montrer qu'en fait, c'est pas simplement la durée de vie qui est à repenser, mais aussi la durée d'utilisation des appareils. Aujourd'hui, 63% d'achat de nouveaux téléphones sont en fait pour remplacer un téléphone qui fonctionnait encore. Ensuite, on a un autre chiffre, c'est 3% des smartphones en panne. Il y en a seulement 3% qui sont recyclés. Et un dernier chiffre, 60% du temps, quand un téléphone est en panne, eh ben, plutôt que de le réparer, on va changer de téléphone. Alors, pourquoi tout ça? Selon moi, parce que il y a des mécanismes qui sont là pour encourager l'achat. Alors notamment, hein, vous connaissez bien, c'est la pub qu'on voit partout, qui est là pour un petit peu stimuler l'acte d'achat. Mais un autre, c'est aussi l'innovation. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que l'innovation, elle est vraiment mise au service du toujours plus, du acheter plus. Mais c'est normal, parce qu'en fait, les entreprises, pour survivre, bah, elles ont besoin de vendre des téléphones. Et donc, du coup, bah, elles vont innover pour nous créer des besoins pour qu'on achète un nouveau téléphone. Et donc, en fait, là, c'est là que je pense que l'ingénieur a un énorme rôle pour être, en fait, au service d'une innovation, pas au service du toujours plus, mais une innovation qui va répondre, en fait, aux besoins. Mais pas simplement aux besoins de nous, là, tout de suite, maintenant, mais aussi à nos besoins dans 10 ans, aux besoins des générations futures. Donc, une innovation qui pense long terme, une innovation qui pense avec qui pense durable, et qui pense avec les limites planétaires. Et ensuite, un autre mécanisme que vous connaissez peut-être bien pour encourager l'achat, c'est l'obsolescence programmée. Donc, le fait qu'on va avoir des logiciels qui ne vont plus être compatibles, le fait que, peut-être que vous avez eu ce cas-là, vous voulez réparer votre téléphone, mais en fait, ça coûterait presque aussi cher que d'en acheter un nouveau. Donc, finalement, bah, vous en achetez un nouveau. Vous aimeriez pouvoir changer une pièce de votre téléphone, il y a juste le micro qui ne marche plus. Et bah finalement, vous changez votre téléphone alors que c'était juste une pièce. Voilà, donc ça c'est l'obsolescence programmée. Alors, on fait quoi? On fait quoi avec tout ça en tant qu'ingénieur? Bah, moi, quelque chose dont je voudrais vous parler, un modèle que je trouve super intéressant, c'est l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est comment, plutôt que de vendre un produit, on vend un service, on vend une fonction. Et ça, c'est un modèle qui peut être à la fois bon pour le climat, ou plus généralement pour l'environnement, l'écologie, qui peut être bon pour le client, donc celui qui achète, et pour le cash, c'est-à-dire pour, donc c'est pour faire les 3C, mais pour l'entreprise qui vend. Alors, un exemple, l'exemple de Commons. Donc, Commons, c'est une entreprise qui a décidé de louer des téléphones plutôt que de les vendre. Et ça, c'est super intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en fait, il va y avoir un service de réparation. Donc, vous n'allez pas laisser votre téléphone portable dans votre tiroir parce qu'il ne marche plus. Et ensuite, la deuxième chose que je trouve la plus intéressante, c'est que eux, Commons, en fait, ils vont être incités à avoir des produits qui sont durables
puisqu'ils ont une flotte qui loue. Donc, en fait, ils ont intérêt à ce que leur téléphone portable, puisqu'ils les louent, dure le plus longtemps possible. Et donc, ils n'ont pas intérêt, comme quand on les vend, à ce qu'ils durent le moins longtemps possible pour qu'on en achète un nouveau. Donc, en fait, ils sont incités par leur modèle à faire mieux pour l'environnement. Et donc, du coup, bah, ils vont plutôt louer des appareils qui sont réparables. Par exemple, eux, ils ont choisi de louer des Fairphone. Donc, les Fairphone, c'est des téléphones qui sont plus réparables que les autres, où on peut changer toutes les pièces détachées. Après, je pourrais vous donner d'autres exemples. Par exemple, Michelin, ils ont aussi décidé de proposer de louer, pas seulement de vendre des pneus, mais aussi de louer des pneus sur le même concept. Alors voilà, je vais m'arrêter là, mais pour conclure, je vous ai montré juste un exemple, donc l'économie de la fonctionnalité comme un exemple de faire autrement, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres à découvrir, à aller explorer. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir tout le champ des possibles, parce qu'il y a un champ des possibles, selon moi, qui est juste énorme en tant qu'ingénieur pour vous investir dans le bon sens par rapport à la transition écologique. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir tout ça, à penser autrement et à bien garder en conscience que voilà, ces sujets-là sont des sujets complexes. Donc allez creuser ces questions, prenez le temps de vous questionner, comme disait Sam. Évitez de débattre sur des choses que vous ne savez pas, mais plutôt allez vous former ensemble, discutez-en avec vos amis, prenez une césure pour refaire le monde, et puis surtout prenez une césure pour prendre le temps de répondre à la question, mais quel ingénieur j'ai envie d'être? Au service de quoi, en fait, j'ai envie de mettre mon énergie, j'ai envie de mettre mes compétences? Vraiment, posez-vous cette question-là de quel ingénieur vous avez envie d'être. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Vraiment, merci beaucoup. Et alors, j'en profite aussi pour remercier le dessinateur pour ses magnifiques dessins. Et alors là, vous l'avez compris, l'idée de la table ronde, c'est de nous donner des leviers à nous, ingénieurs, et surtout futurs ingénieurs. Emma a bien illustré les mécanismes, les manières de penser, et puis aussi, clairement, les leviers très concrets qu'on pouvait mettre en place. Baptiste nous a montré un peu une trajectoire et pareil des à quoi donner de son expérience, de sa fonction, de son rôle. Une des questions qu'on est souvent amené à se poser, c'est lorsqu'on a surtout pris conscience des enjeux, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire après, comment on s'oriente à son échelle. Alors attention aux colibris, on m'a fait remarquer il y a une semaine, oui, alors les leviers individuels, ça fait penser au, même en tant qu'ingénieur, hein, ça fait penser aux colibris, est-ce que c'est suffisant, etc. Bon, faut bien commencer par là, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire individuellement, et puis bon, après, collectivement, on entamera des discussions, évidemment, enfin chacun dans vos écoles, voilà, avec vos associations, avec vos directions, etc. Alors là, se pose la question très concrète de comment on s'oriente, comment on se projette dans un métier d'ingénieur, avec en lame de fond les enjeux socio-écologiques. Alors, je crois que c'est tout l'enjeu de ce que tu as fait, Laura, trouver un job de sens. Donc la parole est à toi pour une petite dizaine de minutes. Alors, dites-moi juste si vous m'entendez, et du coup c'est parti. Non, vous ne m'entendez pas encore. Ouais, c'est parfait, vas-y. Ok, nickel. Alors du coup, bah, je vais me présenter rapidement, parce que j'ai trouvé ça intéressant quand même de pouvoir compléter nos approches qui peuvent être un petit peu théoriques, avec quand même beaucoup de retours individuels, parce que c'est quelque chose qu'on a réalisé dans le métier que nous on fait d'accompagnement, c'est qu'en vrai, les choix qu'on prend ne sont que très rarement rationnels. On est quand même sur de l'émotionnel, et ce qui fait que vous allez prendre des décisions sur votre orientation, c'est évidemment l'élan de ce qui va vous gratouiller au creux des tripes, et à un moment vous dire non, en fait j'ai envie de partir sur ça, ou j'ai envie de partir sur autre chose. Donc rapidement, pour vous raconter mon histoire, je ne suis pas ingénieure, je suis désolée, je pense que je tombe déjà dans votre estime très bas, mais moi j'ai fait une école de commerce, et c'était en 2004, quand j'étais étudiante, que j'ai eu ma prise de conscience sur les enjeux climatiques. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de cursus professionnels, en fait on pouvait s'orienter pour avoir un impact sur cette question-là. Et j'ai trouvé cette école qui avait quelques cours et quelques conférences sur le sujet, en l'occurrence du coup KEDGE à Marseille. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai vu qu'en fait concrètement, en dehors des conférences et des cours, au niveau du fonctionnement de la structure,
il y avait beaucoup d'incohérences. Et donc, j'ai monté un projet étudiant qui s'appelle Campus Durable et où, du coup, on a travaillé sur les questions de l'énergie, des déchets, de la gestion de l'eau et du transport. Et donc, pendant 2 ans, j'ai porté ce projet avec un groupe de 10 étudiants. Donc, j'ai travaillé la gestion de projet, du management de bénévoles, qui est le management le plus dur du monde, parce qu'il n'y a pas du tout la carotte de la rémunération ou de la promotion. Donc, il faut trouver d'autres leviers. C'est très enrichissant. Et à cette époque-là, du coup, on faisait des choses sur notre campus de manière très concrète. Et j'ai été contactée par Greenpeace International pour aller intervenir à la COP de 2006, qui était à Kenya, à Nairobi au Kenya. Et c'était la COP 11 ou 12. Et j'ai découvert ce que c'était que le plaidoyer politique international. Ce qui était une expérience assez traumatisante pour moi, parce que j'ai réalisé qu'en fait, rassembler des personnes de 190 pays, et donc cultures, et donc langues différentes, qui n'arrivaient pas à communiquer, mais aussi en partie parce qu'elles n'avaient pas forcément très envie de communiquer, et que ceux qui communiquaient le mieux sur place, c'était les lobbies des grandes industries, ça m'a posé un véritable problème, et j'ai réalisé que voilà, c'était pas à ce niveau-là que j'avais envie d'agir, parce que pour moi, c'était juste très frustrant et ça m'a été dans une énergie qui était paralysante et je me suis dit non, je vais retourner ailleurs où je suis plus efficace. Et donc, j'ai continué à travailler avec Greenpeace, mais en fait, j'ai fait de l'animation de réseau. On s'est retrouvé du coup avec 25 campus en France qui agissaient à leur échelle et j'ai trouvé ça vachement plus productif de travailler avec des gens qui avaient envie que ça avance. Et si vous avez un truc à retenir de mon témoignage aujourd'hui, c'est celui-là, c'est que, en tout cas, moi, dans mon choix d'orientation professionnelle, j'ai vu tout de suite la différence dans mon épanouissement au travail. Il fallait que ça ait un impact pour le climat, mais c'était que j'avais besoin, enfin, je voyais que ça avançait beaucoup plus efficacement quand j'étais entourée de personnes qui avaient aussi envie que ça marche, parce que du coup, on arrivait à construire, on partageait nos idées, notre motivation, notre élan, alors qu'en fait, quand j'essayais d'aller contre, enfin le but n'était pas d'être contre évidemment, mais quand j'avais face à moi des personnes qui n'avaient pas très envie que ça avance, c'était beaucoup plus frustrant. Mais il y a des personnes qui adorent avancer dans ce genre de situation et tant mieux, il en faut. Après cette expérience avec Greenpeace, j'ai trouvé ce que je pensais être un métier de rêve qui était responsable développement durable dans une grande boîte. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait de la gestion de projet aussi, de faciliter entre les acteurs, faire ce travail un petit peu de traduction entre les différents services. Donc j'ai travaillé avec des gens au service des achats, de l'approvisionnement en bois, de la logistique, de le fonctionnement des magasins et tout ça. C'était intéressant, mais en fait ma mission à moi, elle était souvent très verrouillée parce que je n'étais pas sur une activité qui était rentable directement. J'étais là pour faciliter, j'étais là pour fluidifier. Mais du coup, mon discours avait beaucoup moins de poids que lorsque c'était le directeur logistique qui apportait des arguments. Et c'est normal, et c'est tant mieux. Mais donc, il faut avoir conscience, pour ceux qui s'interrogent sur ce type de mission, sur voilà, dans quelle mesure est-ce que ça va pouvoir vous plaire, vous satisfaire. Au bout de 2 ans, je suis repartie dans un secteur plus militant et je suis rentrée chez Zero Waste France, où pendant 5 ans, j'ai accompagné des porteurs de projets qui travaillaient sur le zéro déchet, du coup, qui montaient des épiceries vrac, des plateformes de compostage, des solutions de couches lavables, enfin voilà, des emballages consignés et autres. Et là, du coup, ça a été beaucoup plus épanouissant pour moi parce que clairement, il y avait des personnes qui avaient envie, qui cherchaient des solutions, et je faisais beaucoup le pont en fait entre tous. Et c'est comme ça que ça donnait naissance à Réseau Vrac, parce que je me suis rapidement retrouvée à prendre un café, puis 10 cafés, puis 50 cafés avec des personnes qui voulaient monter des épiceries vrac dans toute la France. Et à un moment, c'est dit non, mais en fait, il faut capitaliser à fond, et donc c'est devenu Réseau Vrac en fait, qui est un peu le syndicat du vrac, l'association professionnelle du coup de tous ces acteurs sur le territoire. Et maintenant, si je ne me trompe pas, en 2021, on avait 1800 adhérents à l'association. Enfin, voilà. Donc, c'était le fait de rassembler des gens qui avaient les mêmes besoins et qui avaient envie. Forcément, ça a tout de suite eu une ampleur vachement plus chouette. Et en 2017, enfin du coup, on va dire courant 2016, j'ai réalisé que il y avait beaucoup de gens en fait qui montaient des projets très bien, mais il y en a beaucoup qui se cherchaient aussi en tant que salariés et qui cherchaient leur voie et qui ne savaient pas forcément comment trouver leur place en fait. Et du coup, mon job de sens est sorti de ce constat-là. Je me suis dit, mais en fait, moi qui travaille maintenant depuis du coup plus de 10 ans à l'époque, entourée d'acteurs qui sont engagés, qui ont de l'impact,
Je vois bien qu'il y a des clés, qu'il y a des choses particulières, des codes, comme quand on change de secteur, forcément travailler, je sais pas, pour les gens qui travaillent dans la mode, il n'y a pas du tout les mêmes codes que quand ils travaillent dans l'industrie, ou ceux qui travaillent dans le transport, c'est pas les mêmes codes que dans la grande distribution alimentaire. Ben là, c'était pareil en fait. Sur les acteurs de la transition écologique et solidaire, il y avait quand même vraiment des codes qu'il fallait connaître et il y avait plein de points particuliers. Donc c'est ça qu'on fait, on accompagne, on est une équipe de coach professionnel, on a tous fait notre propre transition pour du coup choisir ce nouveau métier. Et on est tous issus de ces métiers-là aussi, notamment un ingénieur du ministère de l'écologie, un ancien ingénieur du ministère de l'écologie qui fait partie des... Et donc là, moi, les clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que je peux très bien vous faire une liste de métiers de l'ingénieur qui peuvent avoir de l'impact. Ça pourrait très bien être responsable d'usine d'eau potable, d'avoir du coup des grandes missions de pilotage transversal. Vous allez aussi faire du coup de l'administration, un peu de gestion des ressources humaines, de la finance. Vous pourriez être aussi du coup ingénieur dans une usine de traitement des eaux usées. Ça peut être responsable qualité de l'eau dans une collectivité, ingénieur en recherche et développement dans une entreprise privée. Ça peut être chargé d'affaires en génie civil, environnement dans un bureau d'études, ingénieur en modélisation de la qualité de l'air, conseiller en maîtrise de l'énergie pour des entreprises ou même pour des particuliers. Et là, du coup, il faut avoir un fort sens de l'écoute. Travailler dans un bureau d'études en rénovation énergétique, être consultant en bilan carbone, être responsable du service collecte et traitement des déchets dans une collectivité. Des métiers de l'ingénieur, il y en a énormément. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié en tout début de table ronde quand... Du coup, Sylvie et Sam, vous avez redonné des définitions de l'ingénieur et recentré en fait autour de vous êtes là pour aider à trouver des solutions techniques. Après, technique, ça ne veut pas forcément dire high-tech. Et du coup, je trouve ça génial que vous ayez Philippe Biwix juste après, qui est quelqu'un que je trouve absolument passionnant et qui va vous parler des low-tech parce que technique, voilà, ça ne veut pas dire technologique. Ça veut dire que voilà, il existe des pistes et que voilà, vous allez pouvoir aider à avancer là-dessus et c'est top. Et du coup, de quelle forme vous allez pouvoir le faire? Parce que donc ça, ce sont différents types de métiers. Mais si on réfléchit un petit peu plus sur la forme, ça peut être de rester en fait en interne dans une structure traditionnelle qui peut être sur tous les secteurs. Et un peu tous les grands types de sujets dont tu as parlé, Emma, ça peut être aussi bien du coup au niveau plutôt de l'alimentation ou de la consommation ou du transport, mais du coup dans une entreprise qui est plutôt traditionnelle. Et là-dedans, vous pouvez garder une casquette métier, par exemple logistique, et sachez, je réinsiste là-dessus, qu'on vous écoutera plus que le directeur développement durable ou RSE si vous dites... Il vaut mieux qu'on passe du fret routier au fret ferroviaire parce que pour nous, ce serait plus intéressant pour telle raison. Si c'est vous qui apportez ce type de conclusion, on vous écoutera beaucoup plus. Donc, sachez que si vous êtes passionné de logistique ou d'un autre métier, mais vous pouvez avoir le poids dans une entreprise traditionnelle pour faire passer ces messages-là. Vous pouvez aussi dans une éco-entreprise, du coup une entreprise qui a déjà fait le choix d'avoir un impact particulier sur un sujet. Donc, tout à l'heure, du coup, bah, Emma citait Common, par exemple. Il y en a d'autres comme je sais pas Enercop qui est un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable. Ils ont des équipes d'ingénieurs qui travaillent sur les questions de production du coup qui sont passionnés et qui sont passionnants aussi d'ailleurs. Et du coup dans ces équipes là, vous avez forcément un engagement qui va être fort. Des entreprises qui ont envie d'aller dans la transition écologique et forcément qui vont avoir tout de suite un impact. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin des meilleurs ingénieurs pour arriver à développer ces solutions-là. Vous avez aussi la possibilité d'être à votre compte, et là du coup c'est vous qui définissez les règles du jeu, ou vous avez la possibilité de rester sur un métier traditionnel et à côté de votre métier d'avoir des activités, mais si vous voulez qu'elles aient de l'impact, ce qui est important c'est que ces activités, en dehors des actions du colibri, c'est qu'elles passent en collectif. L'action individuelle, c'est très bien, mais ce qui est là où on passe des caps et que vraiment on passe à des niveaux dessus, c'est dès qu'on passe en collectif, que ce soit sur des actions citoyennes ou professionnelles, mais vraiment ce passage en collectif est précieux. Et donc, j'ai envie de vous donner deux clés en fait pour arriver à identifier des métiers qui vont... comment est-ce que vous allez pouvoir choisir pour vous orienter? Déjà, c'est de construire un projet en fonction de votre personnalité. C'est quelque chose qu'on vous dit jamais. Jusqu'à ce que vous ayez 18 ans, déjà, c'est plutôt sois sage, tu te tais, tu fais ce qu'on te dit.
à 18 ans, vous commencez à avoir à peu près pseudo le choix, mais pas vraiment quand même. Et puis du coup, si vous êtes parti pour des grandes écoles, enfin prépa, grande école, bon ben t'es bien sage, tu vas au bout de ton cursus. Et on vous demande quand même pas trop développer votre personnalité. Et pourtant, c'est quand même vraiment quand vous êtes suffisamment à l'écoute de votre propre mode de fonctionnement que vous trouvez des activités dans lesquelles vous allez à la fois être les plus puissants et les plus épanouis. Je vais vous donner quatre grandes catégories du coup de personnalité. Enfin, non, c'est pas quatre grandes catégories de personnalité, c'est que on a identifié 34 talents qui se regroupent sous ces quatre grandes catégories. Mais donc, ça peut être des catégories qui sont du registre de la réflexion stratégique ou de la mise en œuvre des projets, votre manière de rayonner, d'avoir de l'influence et votre manière de créer et entretenir des relations. Et du coup, les talents que vous avez vont se retrouver dans ces différentes catégories. Bien sûr, c'est pas que de la pensée stratégique ou que de la création de relations. Ça va être des mélanges de tout ça. Mais si vous identifiez déjà en vous posant des questions, tiens, mais en fait, moi, à quel moment est-ce que je kiffe ? À quel moment est-ce que je sens qu'il y a une petite étincelle dans ma journée ? Eh ben, ça peut être un moment où vous êtes plongé en train d'apprendre quelque chose ou de lire quelque chose, de créer. Ça peut être un moment où vous êtes en train d'échanger, de partager. Voilà, posez-vous un peu ces questions parce qu'il faut que vous arriviez dans votre quotidien à recréer un maximum de ces moments-là. Ces moments-là, vous les vivez aujourd'hui naturellement, spontanément. Eh ben, il faut que vous trouviez comment vous allez pouvoir les recréer. Parce que c'est le seul moyen pour vous d'arriver à être épanoui pendant 7 heures par jour, pendant je sais pas combien de semaines on bosse par an, pas 52, mais donc on va dire une cinquantaine ou une quarantaine, bref. Donc, vous concentrez sur votre personnalité, vous concentrez sur vos besoins. Est-ce que vous aimez plutôt bosser en autonomie, en équipe? Est-ce que vous aimez être mobile? Vous aimez être sur le terrain? Vous aimez être derrière un ordi? Est-ce que vous aimeriez être plutôt dans une grande entreprise, plutôt une petite entreprise? Voilà, vous posez ces questions-là parce qu'en fait, ce sont ces questions-là qui vont quand même très concrètement pouvoir vous donner une idée du type d'activité que vous allez faire. Je crois que mon temps est écoulé, j'ai pas fait gaffe au début, donc je sais pas où j'en suis. Donc je pense que je vais m'arrêter et prendre les questions s'il y en a. Voilà. Merci de votre écoute. Eh bien, merci. Merci beaucoup. On va justement prendre quelques questions. Et la première question, justement, elle était très liée à ce que tu viens de dire, mais peut-être que voilà, d'un moyen plus large. Et vous avez peut-être des réponses complémentaires parce que il y a un vrai problème un vrai questionnement autour de se motiver ou motiver les autres à agir en se disant que les actions personnelles semblent quand même insignifiantes par rapport aux actions au niveau industriel. Et donc, voilà, qui c'est qui a envie de parler là-dessus? Et je pense que c'est quelque chose qui marque beaucoup les esprits. Vas-y, Emma. Ouais, merci. Alors, en fait, moi, pour se motiver, déjà, j'aime bien rappeler un petit truc. C'est quelque chose dont on parle souvent quand on fait des fresques du climat. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc, c'est un triangle comme ça, où en haut, il y a les individus. Ici, il y a les entreprises. Et ici, il y a les États. Et en fait, en tant qu'individu, on peut se dire que on n'a pas d'impact parce qu'au final tout ça c'est aux mains des entreprises et des politiques. Et donc finalement on peut renvoyer la balle nous en tant qu'individus aux entreprises et aux politiques. Mais en réalité si on regarde aussi de leur prisme les entreprises elles aussi elles peuvent nous renvoyer la balle en disant ce qu'on vend c'est parce que les consommateurs les achètent. Et les politiques elles peuvent renvoyer la balle aux entreprises etc. Et donc finalement en fait on est dans un peu un triangle de l'inaction où chacun se renvoie la balle. Et donc, soit on décide en fait de rester là-dedans et de tous se dire « mais en fait, de toute façon, ça sert à rien que j'agisse parce que ce que je fais, c'est une goutte d'eau et c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. » Soit on se dit comment moi, en tant que personne, déjà, je peux moi utiliser tout mon pouvoir d'agir, tout le pouvoir que j'ai moi pour faire tout ce que je peux avant de critiquer ce que les autres font pas. Et ensuite là, quand je me demande quel est tout mon pouvoir d'agir, je me rends compte que moi, mon pouvoir d'agir à moi, il n'est pas du tout que en tant que Emma, citoyenne qui va faire ses courses. Je vais aussi aller dans une entreprise, j'ai aussi un pouvoir d'aller voter, de manifester. Et donc, en fait, moi, en tant qu'individu, je peux aussi avoir mon levier d'action sur les entreprises, mon levier d'action sur la politique, et je peux aussi rayonner autour de moi. Donc, en fait, rien que par mes actions individuelles,
je peux aller toucher plein, plein d'autres personnes. Et donc, en fait, si j'agis et que ça me rend heureuse d'agir, ben, en fait, je peux contaminer un petit peu positivement avec cette motivation, cette détermination à agir. Et donc, en fait, ben, en fait, j'ai envie de dire, allons-y tous, en fait, chacun à utiliser un maximum notre pouvoir d'agir, à contaminer un petit peu avec cette énergie positive nos proches. Enfin, moi, je le vois, en fait, les petites actions individuelles que j'ai pu prendre, en dehors du fait d'agir dans mon métier, eh ben, en fait, ça va faire effet boule de neige parce que je vais donner à d'autres envie d'agir, etc., etc. Et après, en fait, n'oubliez pas que vous n'êtes pas juste des individus, vous êtes des ingénieurs, vous allez aller dans des entreprises, et dans ces entreprises-là, bah, en fait, on a vraiment un pouvoir d'action, et allons le chercher, et sortons des cadres, et ne nous arrêtons pas à la première barrière qu'on nous met. J'ai une amie qui aime bien dire que quand on la laisse pas entrer par la porte, elle cherche à entrer par la fenêtre, donc cherchons à entrer par les fenêtres quand on ne lui laisse pas faire les choses. Merci. De compléments, ou sinon on passe à une question aussi qui est importante pour ce thème-là, c'est est-ce que vous avez des idées sur un moyen efficace et adapté de faire entrer toute cette préoccupation et ces enseignements sur la transition écologique et sociale dans les différentes écoles? Alors, est-ce que vous avez des idées de comment apporter ces... Là, je peux donner un petit propos introductif par rapport à ça, le temps qu'il y ait des volontaires, mais je pense que là, cette journée illustre bien cette question, c'est-à-dire que vraiment, dans beaucoup d'écoles, ce qui a été à l'initiative de réflexion institutionnelle des enseignants-chercheurs, des directions et puis des élèves, a été des mouvements militants étudiants au départ, en 2017-2018. Donc ça, c'est un bon levier. Il faut bien se rendre compte, de la force que peuvent avoir des étudiants qui, il y a quelques années, et c'est toujours le cas dans certaines écoles, en savent plus sur les enjeux que leurs enseignants ou leurs directions. Et donc, il y a vraiment ce levier-là qui est de se réunir en collectif et d'essayer d'aller voir les enseignants, d'aller voir les directions pour intégrer toutes ces questions-là aux ordres du jour des CA, des CE, des associations, NDBDE, et voilà, d'en discuter, puis de se réunir pour ensuite en faire quelque chose de construit au sein de la formation. Enfin, je vais laisser les intervenants et intervenantes compléter. C'est parti. Je vais y apporter des idées. Est-ce que quelqu'un a des idées? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une grosse problématique de temps du point de vue des enseignants-chercheurs et de l'administration aussi, qui ont en fait leur emploi du temps qui est prévu pour toutes les tâches qu'elles avaient à faire avant de s'intéresser au changement climatique et à tous les impacts environnementaux. Et là, ça fait une charge de travail qui vient s'accumuler au-dessus. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut réussir à trouver une stratégie pour gérer cette charge de travail supplémentaire, parce que c'est pas soutenable sur le long terme. Et il y a des gens qui s'épuisent à la fois dans les administrations, dans le corps professoral et chez les étudiants. Alors chez les étudiants, en fait, c'est des étudiants qui sont là pendant un an, deux ans, trois ans. Et donc, alors il y en a plein qui font des burn-out militants, mais après on peut se dire que pendant cette petite phase, les étudiants peuvent être à fond, mais c'est pas soutenable que ça repose sur eux. Rien que du point de vue, rien que parce qu'ils partent après, quoi. Donc, il faut réussir à avoir des plateformes d'échange pour pérenniser toute la connaissance qui arrive au fil de l'eau, et du temps banalisé pour les enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent rentrer ça dans leurs enseignements, quoi. Merci. Du coup, comme Emma l'avait souligné tout à l'heure, on a déjà fait, on en parlait un petit peu, c'est le numérique et le développement durable. Donc ça pose question, puisque effectivement, pas mal d'écoles sont sur ces technologies. Et du coup, on a plusieurs questions. Comment allier numérique et développement durable lorsque les décisions ne nous reviennent pas? Quel est le rôle de l'ingénieur dans la sobriété numérique? Et puis, au regard de l'évolution du monde numérique,
est-ce vraiment possible de réduire notre impact écologique, nous, ingénieurs du domaine du numérique? Alors, est-ce que, donc, sur ce lien avec le numérique, est-ce que vous avez des compléments, des idées complémentaires, des informations plus poussées peut-être? Emma qui en a déjà parlé un petit peu. Ouais, moi je veux bien, mais s'il y en a d'autres qui veulent prendre sur le numérique, c'est possible quoi. J'y vais? Ouais, vas-y Emma. Ouais, bah déjà la première invitation, c'est vraiment creuser ce sujet parce que c'est un sujet qui est central pour vous. Donc n'écoutez pas juste ce que je vous dis là, mais vraiment allez creuser le sujet, allez explorer tout le champ des possibles qu'il y a pour agir dans le numérique. Mais d'autres petits exemples, c'est par exemple, bah, en fait, vous pouvez choisir, si vous allez travailler dans le numérique, vous pouvez choisir où est-ce que vous allez travailler. Et par exemple, moi, j'ai l'impression qu'une entreprise comme Back Market ou comme Fairphone, bah, c'est des entreprises qui font sens parce que en fait, elles vont dans le sens de Back Market, ils vont dans le sens de reconditionner, Fairphone, ils vont dans le sens de téléphone réparable. Donc en fait, c'est des choses qui vont dans le sens d'un numérique plus responsable. Donc en fait, déjà simplement en choisissant l'entreprise dans laquelle vous allez mettre votre énergie, en fait, vous avez le pouvoir de mettre votre énergie au bon endroit. Ensuite, je ne sais pas quel poste vous aurez, mais vous aurez peut-être pas forcément des postes complètement techniques. Vous pouvez avoir aussi une partie un peu plus gestion de projet, management, des rôles à responsabilité au fur et à mesure, peut-être pas juste au début. Mais quand vous aurez des rôles à responsabilité, que vous êtes dans une entreprise du numérique, vous pouvez questionner le modèle en fait. Vous pouvez questionner et les faire se questionner. Est-ce que vraiment c'est la meilleure manière, le meilleur modèle de chercher à vendre toujours plus? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à proposer des offres où on loue pour justement faire écho à cette, au côté économie de la fonctionnalité. Et après, bon, là, du coup, c'est par rapport au numérique, mais moi, par exemple, je connais quelqu'un qui s'est dit, en fait, Back Market, c'était super intéressant par rapport au reconditionné. Ben, moi, j'ai envie de faire pareil, mais dans un autre domaine, parce que je pense que le reconditionné, c'est vraiment quelque chose d'avenir, parce que justement, très peu de choses sont réutilisées derrière. Il y a énormément d'appareils qui ont une durée de vie finalement assez faible parce que pas réparés, etc. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, bon, dans quel autre secteur je peux faire du reconditionné? Et du coup, il a décidé de le faire dans tout ce qui est appareil d'électroménager pour la restauration collective. Et donc, du coup, il a créé une entreprise qui s'appelle Vesto, qui répare des machines à laver pour la vaisselle de restauration, des fours, etc., pour reconditionner ces appareils-là. Donc voilà, donc c'est comment on peut aussi un peu être entrepreneur en tant qu'ingénieur, on peut aussi être entrepreneur avec des nouvelles solutions. Donc voilà, c'est quelques exemples que moi là j'ai en tête et si je voulais travailler dans le numérique que je creuserais, mais vraiment vous pouvez aller en creuser plein d'autres. Allez voir sur le site du Shift Project, il y a quelque chose qui s'appelle Shift Your Job, où en fait, il liste plein de métiers dans tous les domaines qui font sens. Donc, allez voir ceux sur la thématique du numérique, par exemple, creuser ces entreprises-là pour aller faire vos stages, creuser le sujet. Je veux bien rajouter deux petits points rapides sur le numérique, si on a le temps. Ouais. Super. Le premier, c'est que on assimile souvent, on met souvent numérique et climat ensemble. On, c'est plutôt la classe politique. Ça s'est vu notamment pendant le Covid là sur les plans de relance de la Commission européenne ou même les objectifs de l'Union européenne à long terme. C'est en gros les deux gros enjeux, c'est la transition énergétique et la transition numérique. Comme si les deux étaient vraiment à mettre dans le même bateau et que en fait, la force des choses faisait qu'il fallait aller vers toujours plus de numérique partout. Et ça se traduit, c'est le deuxième point, dans la société d'une manière générale, où on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va mettre du numérique dedans et ça va résoudre le problème. Et j'ai un exemple là-dessus où je lisais dans un journal, j'habite à Grenoble, et je lisais un journal sur l'état des services de santé à Grenoble, et bon... comme la plupart des citoyens en France, je suis assez affligé par l'état de notre système de santé et la détresse dans laquelle est le corps médical. Et sur les déserts médicaux, il y a des gens qui se proposent de mettre des bornes pour pouvoir consulter des médecins à distance et qu'en fait, dans les villages, au lieu de faire en sorte de mettre des sous
pour faire revenir des médecins, le gouvernement a financé des start-up high-tech numériques en mettant des millions dedans pour produire ces bornes-là et que ça remplace des médecins. Là, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, le monde dans lequel on veut vivre? Et est-ce que c'est vraiment ça une bonne idée, de remplacer des médecins par du numérique? Bon, à mon avis, la question est vite répondue, comme on dit, mais il y a quand même des gens qui se disent que c'est une bonne idée. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours se prendre un peu de recul avec le numérique et se dire, est-ce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin? Merci. Je propose une petite dernière question, justement, qui rebondit un petit peu là-dessus. C'était le lien entre la technologie et le développement durable. Et est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une technologie orientée vers le maintien et l'optimisation des ressources? Et quels sont les espoirs aussi pour les technologies de décarbonisation, etc. Donc, est-ce que vous avez une idée autour de ça? Et ça sera la dernière question, puisque là, on va devoir rendre l'antenne. Bah, je veux bien commencer. Je trouve que c'est une question que beaucoup de, je pense, d'écoles aussi essayent de mettre en avant. Et typiquement, à l'UTC, ils ont organisé un séminaire la semaine dernière, enfin cette semaine en fait, qui s'appelait « Est-ce que la technologie va nous sauver ?» Dans le sens, est-ce que du coup, quelle technologie dans ce contexte-là? Et une des premières réponses a été de dire, c'est d'abord la fermeture. C'est-à-dire, on va fermer. C'est un peu ce que disait Baptiste là. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de développer, et il y en a même d'autres qu'on va devoir fermer, typiquement des centrales à charbon. Donc se demander déjà de quelle technologie on a vraiment besoin, donc se passer de celles qui sont incompatibles avec les enjeux, ne pas développer celles qui vont l'être, de toute façon. Et puis ensuite, pour l'ingénieur en particulier, dans son activité principale qui est le design, enfin la conception, là on peut se rapprocher des approches low-tech. Alors low-tech pas dans le sens bricolo du dimanche, mais le tech dans le sens vraiment global, comme une approche de conception pour l'ingénieur. Il y a quelques points qui sont très bien résumés dans des notes que vous trouvez, une note que vous pouvez trouver sur la fabrique écologique, qui est super et qui résume vraiment ça. C'est déjà repartir du besoin, analyser l'existant, est-ce qu'il y a déjà des techniques ou des technologies qui permettent de répondre à ce besoin, concevoir pour durer. Donc robustesse, là c'est les exemples que Emma a cités par exemple, robustesse, réparabilité, modularité, réutilisation, etc. Minimiser trois choses, la consommation de matières premières, la consommation d'énergie et les impacts environnementaux, que ce soit sur la société ou sur la nature. Donc minimiser les déchets en somme. Et puis maximiser les bonnes conditions de travail, le degré d'autonomie à l'usage. Voilà, faire en sorte d'arriver, là on peut renvoyer un concept d'Illich, la société conviviale, comment on arrive à développer des outils conviviaux qui nous permettent de vivre dans une plus grande autonomie. Bon, la notion est critiquable, hein, mais je vous laisserai aller creuser si ça vous intéresse. Et puis une conception collective, voilà, inclure plus de gens dans les conceptions pour faire peut-être moins d'erreurs et des conceptions, des techniques qui soient plus pérennes et qui répondent vraiment à un besoin. Bien, je trouve que c'est une bonne conclusion sur ces débats. Et du coup, je voulais remercier tout le monde, pour tous les intervenants, pour leur précision, pour leur proposition sur cette problématique. Et ça va continuer encore toute la journée sur différents aspects. Et je vais laisser le mot de la fin à Sam, qui va revenir sur votre petit sondage de tout à l'heure. Oui, donc vous avez répondu, donc pour finir en une minute, là vous avez répondu à un sondage pendant la table ronde, qu'on vous demandait quel est ton état d'esprit vis-à-vis de l'avenir au regard des enjeux socio-écologiques. Donc 4% d'entre vous ont répondu que c'était pas leur problème. Bon, je vous invite du coup à ouvrir une synthèse du GIEC, et puis on pourra en rediscuter si cette table ronde ne vous a pas convaincu. 65% d'entre vous êtes inquiets ou inquiètes. Ça rejoint les études qu'on citait au début, mais on espère que du coup ça a pu vous donner des leviers. Et justement, on a vu le sondage un peu évoluer au fur et à mesure, de plus en plus. J'ai confiance en réponse est un peu augmenté à 17%. Et puis le je veux agir, surtout, vous êtes la moitié à vouloir vous saisir de ces leviers. Donc on espère que ces journées, que vos formations qui sont en train d'évoluer vont vous permettre d'avoir déjà plus envie d'agir et d'avoir plus confiance, tout en gardant évidemment un constat lucide sur la situation. Donc on vous
vous invite peut-être à essayer de répondre à ces questions un peu au cours de l'année, à continuer à vous poser ces questions-là, à prendre du temps pour réfléchir à quel ingénieur, quel rôle et qu'est-ce que vous voulez faire vous individuellement et de le mettre en lien avec du collectif. Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tous les intervenants et intervenantes et puis merci à vous.